Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Clash Royale. On va d'abord ouvrir des packs, donc on va ouvrir des coffres. Et après avoir ouvert ces coffres, on va attaquer pour gagner les 10 étoiles. Et du coup ouvrir le dernier coffre à couronne. Et puis voilà, donc du coup on va commencer par le coffre gratuit. Ouais, on est comme ça comme d'habitude. Alors je crois que cette fois-ci j'en ai qu'un. Je suis pas sûr, mais je crois que j'en ai qu'un. Attendez, on va faire ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc 46 d'or, donc c'est plutôt pas mal. Faut que je respire un bon coup. Voilà. Alors, 2 gemmes, ouais. 5 Tesla, pourquoi pas. Putain, mais non, ça fait... J'ai eu que de la merde. Ah non, je vous le dis, j'ai eu que de la merde. Ah hein? Déjà? Non. Oh, what the fuck. Bon. oui, effectivement, il est minuit, oui. Bah voilà, en live, j'achète un peu de cartes. Ah, c'est cool, ça. C'est cool, c'est cool. Hop. Bam 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 bino. Bam. Allez, on va jusqu'à 100, Attends, hop, voilà. On achète des cartes, des cartes. Ouais, des cartes. Voilà, bon, arrêtons les conneries. Voilà, donc du coup, maintenant qu'on a acheté nos cartes, ah, ça c'était pas prévu par contre. on va simplement ouvrir notre coffre d'argent. Voilà, donc 49 d'or, c'est pas mal. Non mais casse pas les couilles avec tes Tesla gros. Mais je m'en bats les couilles. Mais complet. Mais alors là, regardez, elles sont au fond du deck, je m'en bats les stéréos, elles sont là, je touche même pas à tes trucs, c'est de la merde. Alors. Donc là, 49 d'or, voilà, toujours autant sympathique. Mais cette fois, tu me casses pas les couilles avec ta Tesla. Hein. J'ai eu peur. Bon, c'est pas non plus super génial. Ah voilà, là tu fais plaisir. 3 chevaliers. T'aurais pu m'en donner un peu plus. Mais c'est déjà pas mal. Alors, voyons ce que t'as. 42 or. Ouais, bon. Si tu me donnes moins d'or, mais plus de troupes. Ah, ça me va. 5 flèches. Ah, ça fait plaisir. Et un mini PK. Je m'en fous complet. À part pour donner aux personnes qui veulent. sinon. Le coffre d'or. Alors, 148 d'or. Pour commencer, c'est plutôt pas mal. Après, 2 bombardiers. Ça fait plaisir. Hein. J'en ai acheté, c'est pas pour rien. Ça, par contre, je m'en fous. J'ai même pas envie d'y voir. Et casse-toi. Ah, putain, là, tu fais plaisir. 14 archers, ça, c'est bon. Ouais, bon, par contre, tu termines un peu mal. Mais bon, ça, on va pas le dire. Allez, casse-toi. On va dire qu'on a terminé avec 14 archers. C'est vraiment pas mal. On a eu 14 archers, les gars, franchement. J'ai envie de dire gros GG. Bon, par contre... Dès le début, là, le coffre gratuit et le coffre d'argent, on a eu que de la merde. Mais genre bien, quoi. Putain, ça fout le deck. Voilà, donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement attaquer. Et puis on va choisir 2 attaques dans le lot qui sont pas mal. Et puis après, on ouvrira le coffre ensemble. Et puis voilà, donc je vous dis à tout de suite. Et c'est parti. Alors, du coup, on va... Bah, je sais pas. Ah, bah voilà. On sait très bien ce qu'on va faire. Voilà, donc archer. Petit squelette. Nickel, voilà. Bon, j'aurais peut-être pas dû mettre les archers, du coup, je suis un peu con. Bah, mais qu'est-ce que je te dis ? De toute façon, en les mettant, je me suis dit, c'est pas une bonne idée. Bon, je l'ai fait, malheureusement. Ça arrive. Voilà. Donc, hop, on va tout simplement mettre les archers. Enfin, les gobelins archers, les gobelins lance. Voilà. Malheureusement, j'ai rien pour défendre contre ce putain de dragon. Ouais, bon, bah, c'est pas très grave. Bon, putain, attends, c'est quoi? D'abord, on va faire ça. Attends. Hop, allez, voilà. Envoie-les. Ce serait sympathique. Voilà. Alors, apparemment, il a l'air d'avoir que des troupes aériennes. Enfin, ou presque. Mais en tout cas, il a l'air d'avoir pas mal de troupes aériennes, cet enculé, là. Non, mais voilà, c'est vrai, quoi. Là, franchement, je sais pas quoi faire. C'est vrai que je me sens un peu... Ah, je sais pas. Attendez. Vite. Mets les barbares, s'il vous plaît. Allez, encore ça, oui. Ah, peut-être qu'il y a moyen. Moi, je le dis... Allez, plus vite, les barbares, là. Putain, mais ça défend rien, mes troupes. Ça défend rien. Mais regarde ça, c'est nul. Bon. C'est pas très grave. Voilà, regardez. Hop, ça va se faire niquer en 2 secondes chrono, tout ça. Hein, toi, fais pas chier avec tes putains de je sais même plus comment c'est, gargouille là, la con là. Ah putain, on est mal parti. Vous savez quoi, j'ai une petite astuce. Regardez la petite astuce de ouf. Non, on va pas mettre ça. Regardez.
Ah merde, bah non, c'était pas ça mon astuce, hein. C'était pas de se faire niquer comme ça. Non mais, regardez. On va essayer un truc. On va attaquer d'un côté. Voilà, attendez. On va mettre ça là quand même. Voilà, histoire de... Ok, nickel. Bon, malheureusement, obligé de faire de la merde, comme un con. Voilà, ça me saoule. Oh, je fais n'importe quoi, les gars. C'en est hallucinant. Ça fait peur. Bon, ça va. C'était plutôt pas mal, quand même. J'ai pas non plus fait de la merde complet. Donc, ça fait plaisir. Voilà, donc lui, il est con. Il a pas compris que j'avais des flèches. Mais bon, ça, on lui en veut pas. Non, mais ouais, non, il est vraiment con, en fait. C'est même plus de la connerie, là, c'est de la débilité totale. Ça arrive, hein. Voilà, ça arrive. Les gens, ils savent pas forcément attaquer. Ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va attaquer de gauche parce qu'ils commencent vraiment à me les casser. Et puis voilà, on va préparer les flèches parce que j'en suis sûr. Non, bon, en fait, non. Mais il a même pas utilisé de... Eh ben voilà, on a gagné, les gars. On a gagné. Et ça, c'est génial. Putain. Bon, j'ai pas été très dynamique sur le gameplay, mais bon, vous avez vu, il est minuit. C'est pas pour vous dire que c'est un petit peu chaud. Je vais essayer d'être dynamique, un peu plus dynamique pour le deuxième. Mais je croyais que c'était perdu d'avance, c'est pour ça. Donc, du coup, je me disais, putain, ouais, bon. J'ai pas non plus trop me motiver. Mais bon. Donc voilà, donc pour le deuxième gameplay, j'essaierai d'être un peu plus dynamique. Donc je vous dis à tout de suite pour le deuxième gameplay. Allez, c'est parti. Non mais vas-y, te fous pas de ma gueule. Arrête. Putain, ça m'énerve ça. Bon, les gars, j'ai changé de deck parce que l'autre commence à me vénère. Ouais, l'autre deck fait que des une étoile, du coup c'est casse-couille. Du coup, on envoie ça histoire de dire « Ouais, j'envoie ça, t'as vu ça un peu, je suis un fou, je suis un thug. » mais en fait, pas du tout, hein, je suis pas un thug. Voilà, donc le mec a vraiment cru qu'il allait nous faire quelque chose avec ses troupes à la con. Voilà. Bien sûr, vu qu'on n'est pas con, on défend. Eh oui, on défend. Mais vas-y, arrête de laguer, putain de logiciel de merde, là. Qu'est-ce que tu veux que je gagne, moi, après? Oh, attends, t'as quoi? Non, comment c'est possible? Mais vous avez vu, les gars, vous avez... Merde. Oh, le PK, s'il vous plaît. Non, arrête de taper. Oh, on lui a niqué une tour. Mais genre, 2 secondes chrono. Oh là là. Non, j'ai rien pour défendre. Allez, putain, arrête de laguer. Vas-y, oh, mets la troupe. Oh, vas-y, nique ta mère, le putain de logiciel de merde, là. Mais qu'est-ce qu'il met ça, lui? C'est pas ça qu'il faut mettre. Ouais, quoique. Bon, en attendant, moi, j'ai une idée. Putain, ce logiciel commence vraiment à me vénère. C'est vraiment un logiciel de merde, ça. Hein. Bah, en fait, c'est la carte graphique, elle est pourrie. C'est quoi, mon gars? Le gars, il n'y a pas de souci, il défend pas. C'est quoi, mon gars? Je vais me vénère un petit peu. Oh, regarde. Non, mais tu vois, il va avoir le deck, Regarde. Hop là. En attendant, il va peut-être me niquer. Ah, mais ça va. Regarde comment on le nique. Regarde ça. Oh, mais il a eu grave de la chance. Mais regardez. Vu qu'on est con, regardez ce qu'on va faire. Et ça, à mon avis, je pense qu'il s'y attend. Mais je m'en bats les couilles. Oh, regardez. Ah, oh, putain. Ah, je suis trop content. Oh, putain. Non, mais j'ai fait que à moitié perdre depuis tout à l'heure. Du coup, je suis content. Ah, non, je suis content. Oh, putain. Eh, ça fait plaisir. Oh, ça redonne le sourire, quoi. Bon, voilà, moi, je vous dis à tout de suite. Après ce magnifique combat, je vous dis à tout de suite pour tout simplement le deuxième... Pour le coffre, voilà. Allez, à tout de suite. Regarde ça un peu. Oh, oh bah tiens, bah y'a plus rien. Oh mon cœur, elle est magnifique, celle-là. Oh putain. Oh mais elle est magnifique. Le mec, il s'est dit, tiens, je vais le niquer et tout. Du coup, il commence à pleurer pour moi. Et au final, qui c'est qui se mange un putain de gros pet dans la gueule? C'est lui. Oh mon gars, je suis obligé de rigoler, mais elle est magnifique celle-là. Elle est magnifique. Oh là 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 là. Oh putain, elle est... Oh franchement. Allez, on ouvre les coffres, c'est parti. Et puis voilà. Enfin, les coffres, il n'y en a qu'un seul, mais ça c'est pas très grave. Alors, toi, t'as intérêt à me positiver parce que... Sinon, je te pète la gueule. Alors, 156 d'or... ouais, c'est pas mal. Donc, 2 gemmes, ça fait toujours plaisir. Oh putain, mais il y a un moment. Mais je sais pas, il y a un moment, je vais aller voir Supercell, genre foutre de baffe quoi. Ouais.
Ah, là, tu fais plaisir. Si derrière, tu mets une épique, mon gars, je te fais un bisou sur la fesse gauche. Et vu que tu t'es fait couper la fesse gauche, eh ben, j'aurais pas besoin de le faire. Je t'ai bien grugé, connard. Enfin, bon. Donc, du coup, 7 canons, ouais. Ouais, non, non. T'as intérêt à mettre une épique, mon gars. Je vais le taper. Putain. Oh, putain. Non mais là franchement, me dites pas que c'est nul, c'est nul. Non mais ça va une Valkyrie quoi, c'est pas non plus bon. Y a mieux. Même cette merde, c'est mieux qu'une Valkyrie. Non mais attends, je suis désolé, mais bon, quand t'as une vache Kyrie entre les mains, vous inquiétez pas, j'ai fait exprès, hein. C'est une petite blague. Vache Kyrie, Valkyrie. Enfin bon, c'est de la merde, c'est de la merde. Ça doit être une carte rare, c'est de la merde. Contre les troupes de masse, ça passe. C'est vrai qu'elle a beaucoup de vie, cette connasse, quand même. Ah ouais, non, mais au niveau vie, elle y va, elle taquine, hein. Mais bon, c'est de la merde, quand même. Putain. Enfin, bon. J'ai eu que de la merde. Que de la merde. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Oh là 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 là. Non, mais regarde-moi ça. Non, mais regarde. Du 1-3, quoi. Bon. Je pense que je vais laisser là-dessus. Oh là là, je suis vénère, je suis vénère. Oh là là, ouais, non, mais il me vénère ces gens avec ces putains de missiles là. Oh là 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 là. Y'a que ça, y'a que ça, putain. Mais le pire, c'est que Supercell, ils en ont rien à foutre. Ça casse les couilles à tout le monde, mais ils en ont rien à foutre. Putain, ils savent pas faire un jeu, mais pourquoi ils font tout ça? BO3, ils font ça. Cette merde là, ils font ça. Y'a tout plein d'autres jeux, ils font ça. Je les cite pas parce que je les connais pas. Ou je m'en rappelle plus. Toujours, toujours, toujours. Ça commence vraiment à casser les couilles. Putain, ils le font exprès. Je sais pas, ils le font exprès. Il y a un délire. Ils le font exprès. Il doit y avoir un partenariat avec les téléphones ou j'en sais rien, tu vois, pour ceux qui cassent leur téléphone à cause de ça. On sait jamais. Il doit y avoir un partenariat derrière. C'est obligé. C'est commercial. Hein, pour casser les couilles aux gens comme ça, c'est commercial. C'est obligé. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je leur dis, allez vous faire enculer. Si jamais Supercell veut me répondre, qu'ils me répondent, moi, je leur dirai vous faire enculer. Et puis, ça ira très bien. Bon, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'ils me répondent de quoi que ce soit. Non, mais je dis un délire comme ça, enfin, on s'en fout. Voilà, je vais pas vous prendre votre temps plus longtemps. Votre temps plus longtemps. C'est. Laisse tomber. Voilà. Du coup, je suis un peu fatigué. Hein. Je suis un peu vénère. C'est très chiant, moralement. J'ai vraiment envie d'aller me coucher parce qu'il est. Comment te dire qu'il est minuit et demi. Minuit 42 pour être précis. Ce jeu commence vraiment à me casser les couilles, quoi. Il y a que des fils de pute sur le jeu. Mais enfin, bon, qu'est-ce que je te dise? Moi, il faut vraiment que je change de deck parce que c'est pas que ces trois decks commencent vraiment à être old school, mais un petit peu. Et puis voilà. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Comme d'habitude, j'arrive pas à me contrôler. Je me vénère, ça me saoule. Je pense qu'à un moment, j'essaierai d'être sérieux. Mais ça risque d'être dur. Hein? Voilà. Allez, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde. Ciao.